Salut! Salut à tous! Hello! Oh là là! J'espère que vous allez bien, grâce à Dieu. Moi, je vais bien et vous, les filles, comment Très, allez-vous? très bien, on t'accompagne toujours. Super, aujourd'hui, on est en forme pour démarrer un bon thème de vidéo. Exact. Voilà. On va parler donc des rapports intimes dans le mariage. Est-ce que c'est bien de le faire avant? Est-ce que c'est mieux de le faire après? Oui. Est-ce que c'est possible d'être toujours vierge avant de se marier, etc., etc. Et du coup, ça va se dérouler sous forme de questions-réponses, plus ou moins. Et du coup, bah, générique. Alors, la question, c'est, quel conseil donnerais-tu à une amie? Est-ce que c'est mieux d'avoir des rapports sexuels avant le mariage ou est-ce que c'est mieux d'avoir les rapports sexuels après le mariage? Avant de répondre, pour dire avant le mariage, vous faites ça, et après le mariage, vous faites ça. Ok? Comme ça, on ne sait pas trop nos réponses et on a le Attends, on a dit suspense. quoi? Avant? Attends. Avant, c'est quoi? Avant Avant? et après. Voilà. Ok, d'accord. Alors, un, deux, trois, on vote. Du coup, on a voté. Maintenant, je vous laisse expliquer pourquoi vous préférez ça ou pourquoi vous préférez Toi pas. aussi, tu vas Bien sûr, expliquer. mais je vous donne d'abord. D'ailleurs, je donne la parole avant. C'est ça. Je te laisse commencer. Allô, on t'écoute. Alors, moi j'ai choisi après parce que selon moi, enfin moi ce que je conseillerais, la question c'était le conseil qu'on donnerait à une amie, à une proche, une jeune fille. Le conseil que j'attends, enfin que je lui donnerais, c'est attendre d'être dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que si j'aurais choisi avant, quand on choisit avant, il y a des petites choses qu'il faut savoir. Déjà, la relation sexuelle en tant que telle, ça te lie à la personne. J'ai un verset qui me vient à l'esprit dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour ceux qui la lisent. Dans Genèse 2, verset 24, il y a un verset qui dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Et lorsqu'on devient une seule chair, donc quand on a un rapport, une intimité avec quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a la nudité, il y a l'intimité, il y a beaucoup de choses. Et dans un rapport, il y a ce qu'on appelle un lien d'âme. Un lien émotionnel, un lien affectif qui aussi rentre en compte, c'est pas que le rapport en lui-même. On se donne vraiment à la personne et ce lien-là ne peut se faire que dans le cadre du mariage. Sinon, on peut avoir une mauvaise estime de soi, on peut avoir une dépendance à se dire, ah bah j'ai déjà commencé, j'ai déjà donné mon corps, donc je vais continuer, pourquoi m'arrêter? Et du coup, on peut tomber dans l'impudicité. Donc, pour se préserver, pour préserver ben, ton corps, ton intimité, ben, je te conseillerais à toi, mon ami, de te préserver. Et Dieu a mis un cadre, il sait pourquoi. Donc préserve-toi dans le cadre du mariage. Bah, du coup, je vais continuer parce que ce verset-là aussi, il me parle. Et un peu avant, il dit l'homme quittera son père, sa Oui. mère, s'attache à sa femme, et les deux forment une Une seule seule chair. chair. Et en fait, moi, comment je vois ça, c'est comme si Dieu, il t'explique le processus de la chose, en fait. C'est Au vrai. début, l'homme, il va, d'accord, il va prendre son indépendance. Après, il va s'attacher à sa Oui. femme, ils vont se marier. Et là, ils vont former qu'une seule chair, C'est parce que, bon, ça. l'acte sexuel, à ton tour. Papa. Alors, moi, ce que j'aurais conseillé à une amie chrétienne ou pas Une bonne chrétienne, en tout question. cas, moi, je me dis, il y a un livre que j'ai lu que j'aime beaucoup qui vient de Rachel Dufour. D'accord. Elle explique en fait que la sexualité est d'abord spirituelle, puis émotionnelle et après la pratique. Donc je me dis, tout ça d'étape, c'est comme les filles, les femmes qui arrivent aujourd'hui à dire en fait que on peut avoir des rapports sexuels sans avoir aucun attachement. Oui, Soit c'est un autre débat, c'est qu'il y a eu un blocage, des blessures, des Tout traumas et à tout. fait. Mais pour moi, en fait, c'est un processus qui est tellement noble d'attendre, de se préserver, que pour moi, je me dis, c'est la cerise sur le gâteau. Et pourquoi ne pas se concentrer sur la fondation? Et il y a une gratification d'attendre au lieu d'avoir la gratification rapide. C'est C'est oui. aussi le contrôle de soi, on travaille le fruit de l'esprit aussi, la tempérance. Donc pour moi, il y a tellement de c'est tellement intense de bâtir la construction
que de tout de suite laisser donner et après se récompenser limite après cette voilà, on a fait le job, il y a encore du job à faire, mais la fondation elle est là. Pour moi, c'est ce que j'aurais conseillé. Et quand on vous avez parlé du cadre de Dieu, il est bien pensé parce qu'il nous préserve psychiquement et physiquement. Moi, je ne me suis pas préservée avant le mariage. J'ai eu une relation avant mon mari où c'était, voilà, ce que c'était. Ça a ramené des choses dans mon mariage. Donc, si je m'étais préservée, j'aurais peut-être préservé aussi la charge mentale de mon couple. J'aurais préservé aussi la spiritualité de mon couple parce que ça ramène, c'est spirituel. Donc, pour moi, quand il a bien réfléchi au cadre, il y a les MST, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est, tout a été cadré pour éviter justement de faire des écarts et de se concentrer sur l'essence même de son cadre. Je suis allée un peu trop long, mais voilà. Non, c'est très bien. Et pour finir, les bonnes choses prennent du temps. Donc, faut pas se précipiter. Tout à fait. Et c'est un cadeau qu'on réserve à l'autre. C'est-à-dire que mais je ne suis pas allée à gauche, à droite. Je t'ai attendue, en fait. Parce que pour moi, te connaître est plus important qu'on se connaisse physiquement. Voilà, c'était long, mais c'était bien, c'était parfait, ça a tout regroupé, tout à fait. C'était bien. C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis que le rapport sexuel, c'est spirituel, et puis émotionnel, et enfin, et après la pratique. Oui, donc voilà. Avant donc la pratique, vraiment, la pratique est vraiment dernier. Oui, dernier. Oui. Donc c'est pour ça que quand tu n'es pas bien émotionnel spirituellement, tu ne peux pas avoir un bon moment. Non, exactement. Aujourd'hui, on connaît le monde dans lequel on vit. Très hyper sexualisé. Oui, l'éducateur sexuel du monde. Ah oui, oui, oui. Même à l'école, maintenant, on parle aux enfants de sexe depuis la maternelle. Ah oui, depuis le plus jeune âge, dès la maternelle. On leur demande, ça te fait quoi quand Axel te regarde? Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce monde-là, effectivement. Voilà. Et du coup, même sur Internet, à la télé, les pubs, j'ai vu une pub dernièrement, je crois, c'était des fesses, carrément. Ouais. Oui. Ah bon, moi, j'ai vu une culotte, ouais. Ou une culotte, tu sais moi, plus. Moi, j'ai vu une culotte avec explicitement une... comme ouais, ça explicitement. Oui, c'était une pub. Femme de dos avec une culotte. Mais une affiche, hein. Ouais. Oui, ben, ça devait être ouais, ça. Une affiche, là, oui. Explicitement, j'ai vu ça. Oui. Et c'était pourquoi, du j'ai coup, vu, c'était... Je n'ai pas fait attention. Ah, je sais. Des fois... Hey, moi, je tourne les yeux, j'ai pas besoin de voir. Oui, mais des fois, tu vas avoir des fesses alors que le truc, c'est pour une boisson. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. C'est tellement vrai. Donc, je me dis, ah oui, dans la pub, comme ça. Ouais. Ah, donc, les enfants qui passent là, ils voient les... Tout le monde. Ça dit qu'elle est passée à la télé aussi. Je pense aussi. Pourquoi on a besoin de voir des et en plus, c'est nous l'imposer. On est dans notre rue tranquille, tu... Voilà. Oui, tu choisis. Je ne me choisis pas. T'es là dans ta louange. Je suis dans ma louange, j'ai Jésus. Je vois une paire de fesses. Ah, c'est quelle horreur. Enfin, je ne sais pas. Ah, on m'impose c'est ça. Je prête pour le vrai. Non. C'est vrai ce que tu dis, c'est trop vrai. Pourquoi tu l'imposes, c'est vrai. C'est dramatique. Dans certains pays, tu ne verras jamais ça. Non, c'est sûr. Jamais ça. Ouais, plus conservateur. Ouais, c'est vrai. Et du coup, dans ce monde hyper sexualisé, est-ce que pour vous c'est possible de se garder pur, finalement? Ouais. Ou c'est pas possible? Bon, après, selon nos réponses d'avant, pour nous c'est possible. Ouais. En fait, ouais. Enfin, mais est-ce que c'est très difficile? Voilà. Est-ce que c'est très difficile? Pour moi, c'est plutôt facile. Pour moi, c'est possible, mais par contre, il faut avoir de la volonté. Il faut pas se mentir non plus. Parce que. Dans tout, comme tu dis, avant on aurait pu dire, ben voilà, on ne sort pas, on est même dans la grotte, tu peux être tenté. Dans ta grotte, tu peux être tenté parce qu'il suffit que tu aies un téléphone, tu es déjà confronté. Même si tu filtres, tu es déjà confronté. C'est très, très, très difficile, et moi je vais le dire honnêtement, de se contenir. Parce que tout mène, tout est sexualisé. S'ils sont, par exemple, si je parle d'un couple qui est en train, voilà, qui se préserve. Ouais, mettons le cadre d'un couple fiancé. Oui. Voilà. Être intentionnel à ce que tu consommes, ce que tu rejettes, être intentionnel à être encore plus intentionnel avec qui tu fréquentes, être intentionnel avec ce que tu fais dans ta vie, être intentionnel avec tes objectifs, être intentionnel dans tout, c'est-à-dire ça te pousser à faire des choix stratégiques pour éviter de te mettre dans des situations qui pourraient être tragiques du coup. Tragique, j'exagère, mais... Le drame. Ouais. Pour après, quoi, par rapport à ma réponse d'avant. Oui. Et toi, elle dit, donne des exemples concrets. Un exemple concret que tu donnerais à une personne qui est en couple. Non, pas que c'est pas concret, mais non, tout je vais dire un exemple genre, fais pas ça. Des exemples genre. Voilà, des exemples. Une femme et un homme, j'avoue, on va s'amuser.
femme et homme, hein. Moi, j'ai du mal à... Non, mais je n'ai pas forcément dissocié. Ouais. Parce que ce que je vais dire à mon fils, je vais dire à ma fille. Exactement. Je ne vais pas... je ne suis pas là pour scinder les deux sexes, l'homme ci, l'homme ça. Moi, mm-hmm. je pense que, de base, si tu veux te préserver avec toutes les tentations qu'il y a, déjà, va pas te mettre à regarder... quelque chose à la télé qui va avoir, où va y avoir beaucoup de scènes sexuelles, par exemple. Mmh. Moi, je préconise déjà ça, premièrement. Mmh. Secondement, si tu sais que, voilà... Alors, je vais m'adresser aux personnes qui ont ce petit côté séducteur. Parce qu'il y en a qui oui. ont, de manière innée, un aura. Et c'est des fois pas eux-mêmes. J'avoue, mais il y a des jeunes filles, par exemple, elles sont... très très belles et elles sont un peu naïves, mais elles ont un aura qui peut faire tomber certains hommes. Si tu n'as pas conscience et qu'on te le répète, voilà, fais attention machin, moi je te dis, pour te préserver et afin d'éviter certaines tentations, fais attention à être un peu dans la pudeur, dans la façon dont tu vas t'adresser aux garçons, toi en tant qu'homme, dans la façon dont tu vas t'adresser aux femmes. Donc fais attention à ta manière de parler, à t'adresser au sexe opposé. Ensuite, pudeur aussi dans sa manière forcément de s'habiller et être bien entouré, ce qui signifie que, un autre conseil que j'aimerais donner à ceux et celles qui m'écoutent, voilà, si vous savez qu'il y a un tel ou tel qui vous plaît ou je sais pas, essayez d'être avec vos amis. Par exemple, on se voit à 4, à 5, on est un groupe de potes avant, évitez de vous retrouver tous les deux parce que forcément, qui dit attirance, dit des fois ça amène des petites choses. Et comme on est dans ce monde où il y a des tentations, ne faisons pas nous-mêmes des tentations qui vont nous faire tomber, quoi. Donc, de manière concrète, je pense que c'est ça que je dirais, ces petits trucs, ces petits tips. Et si je peux rajouter, parce que ce que tu dis est complet, si je peux apporter, voilà, j'aurais dit de se nourrir d'autres choses, dans le sens où... Si, parce que tu peux mettre tous ces astuces en place et au final, oui, mais quand les amis partent, on va pas rester dormir avec nous. Donc, quand les amis partent, on se retrouve seul. C'est dans le sens, vraiment, je pense que le qu'est-ce que tu cherches à combler? Est-ce que c'est l'envie, parce que c'est interdit, donc du coup, ça t'excite? Ou vraiment, j'ai juste envie parce que j'ai peur de... D'où est l'origine, en fait, de cette envie de passer à l'acte? Pour moi, c'est un truc qui est aussi à prendre en compte parce que moi, je prends mon exemple. Clairement, moi, j'ai pas honte. Je n'avais pas l'estime de moi. Je n'avais pas aussi... j'avais beaucoup de vide, beaucoup de carences, beaucoup de machin. Donc, j'avais envie de me prouver quelque chose et j'avais envie de lui prouver que je l'aime. Et je veux pas qu'il parte, en fait. Donc, je veux qu'il reste. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce que tu veux prouver, et ça te donne un indicateur, ben voilà, tu as du travail à faire, concentre-toi sur ça, et tu verras après que tu auras des envies, on est des humains, c'est le sang rouge qui coule, hein. Mais quand tu vas te nourrir de quelque chose et tu vas savoir qu'est-ce qui te pousse à, pour moi ça peut aussi te donner une indication, ok, je dois travailler sur ça parce que je m'apprête à le marier en fait, donc je vais éviter... de ramener ça aussi dans mon union. Totalement. C'est ce que je voulais rajouter. Mais c'est bien, mais c'est pour ça que je trouve que les conseils, c'est vraiment quelque chose aussi de, comment dirais-je, de très complet. Parce que Audrey, de par son expérience, Caroline, de par aussi sa foi, et nous, des fois, qu'on prend des versets bibliques et tout, ça donne quelque chose de complet comme conseil à apporter. Et comme disait la question que tu nous disais, dans ce monde hyper sexualisé, parents, vous avez aussi un grand rôle. Exactement. Parce que vraiment, vous êtes aussi un cadre pour votre enfant. Alors oui, il y a la Bible, oui, truc, mais si vous leur... Comme disait Audrey, de par son expérience, elle parlait d'origine de la chose. Si vous, parents, vous valorisez vos enfants, vous leur faites prendre conscience de leur valeur, vous leur donnez tout l'amour qu'il faut. Père, donnez de l'amour à vos filles. Mère, donnez de l'amour à vos filles, à vos fils. Enfin, donnez de l'amour à votre enfant et... vous avez vraiment un grand... Nous, on a un grand rôle à jouer en tant que parents pour nos enfants dans ce monde d'hypersexualisation, pour répondre à la question. Oui, comme ça aussi, ça évite... En tout cas, il peut quand même y avoir, mais les carences émotionnelles, totalement, tout ça, les dépendances affectives... Tout à fait, dépendances affectives. Ouais, ouais. Le père instille la confiance dans une fille. La mère donne... est censé donner, instiller l'estime de soi. Le père est censé donner le sens des responsabilités à son fils et la mère est censée donner de la tendresse à son fils. Ne pas tester avant le mariage,
c'est risqué que dans le mariage ça fonctionne pas et que du coup si sexuellement ça fonctionne pas, bah le mariage c'est chaud quoi. Il faut être honnête. Ouais, ce que le monde dit, c'est la compatibilité sexuelle, quoi. Voilà. Ok. Vas-y, Audrey. Je suis désolée. Par rapport à mon expérience, je suis obligée que de parler de mon expérience parce que c'est seulement ce que je maîtrise pour le coup. Il y a un autre danger aussi de tester, et je parle dans un cadre, hein, de tester avant et après, au final, tu te rends compte que ce n'est pas ton homme. Il y a la comparaison qui arrive. Il y a la comparaison. Moi, je l'ai vécu. Il a vécu. Mine de rien, avec la pression qu'on se met. Alors qu'on ne devrait pas, parce que c'est quelque chose de tellement naturel. Et je vais vous donner une astuce après. Comme ça, je vais me rattraper, parce que je pense que j'ai choqué les gens. Faut pas se mentir. Quand il y a un mariage qui n'a pas de sexualité, ça ne veut pas dire que c'est un mariage voué à l'échec. Mais c'est un mariage qui a une crise, qui connaît une crise. Quand la crise commence à dépasser les 2, 3, 4, 5, 6 mois, hors contexte grossesse, hors contexte post-pense pas, vous êtes là, vous êtes tranquille, vous faites rien, c'est qu'il y a un souci. Et néanmoins, la pression, comme je disais, qu'on se met avant, ah, mais j'ai l'impression, il faut que je sois performant, et que oui, mais c'est bon, ça fait un an qu'on est marié, toujours pas, il y a un blocage, on perd patience, on s'éloigne et on se nourrit ailleurs. Il y a des couples mariés qui vivent le porno. Ça peut, en fait, un petit truc comme ça, par ricochet, peut aller. Mais là où j'ai la solution, ça vous m'avez pardonné de mes propos. Là où j'ai la solution, ou moi, ce que je conseille, en tout cas, prier avant. Moi, je savais qu'il y a eu là beaucoup de comparaisons positives comme négatif, je comparais les deux relations, et du coup dans la sexualité, et j'ai mis un stop à ça, dans le sens où je dis, écoute, maintenant, on va éviter Dieu avant. Il y en a qui disent, oui, mais ça enlève le côté spontané, et quand t'as faim, là, tu fais pas des prières courtes. Amen. Seigneur, bénis le moment, Amen. C'est tellement vrai. Il y a des fois où tu sens quand tu arrives à ce moment, vous allez vraiment vous jouer ensemble. Seigneur, et on se dit, merci Seigneur. Et je le vois différemment. Tu vois. Je me dis, c'est vraiment. Je le vois comme Dieu l'a créé en fait. Je me dis, c'est cette créature que j'aime en fait. Et il y a plus de complicité, plus de passion dans un cadre. Donc. Et il n'y a pas de parasite parce que tu as balisé un petit peu les choses. Et tu te dis, mais je ne savais pas que je pouvais. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Mais on fait, et dans un cadre, parce qu'il y a quand même un cadre dans la sexualité. Hein. Bien sûr. Il y a des choses à ne pas faire. Oui. Voilà, c'est dans un cadre. Pour moi, un cadre, en fait, et je terminerai avec ça, quand Dieu nous a posé un cadre, c'est comme vous êtes maman, je vous vois avec vos enfants, vous posez des cadres à vos enfants parce que vous les aimez. Pour moi, c'est un acte, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus noble comme acte comme ça. Parce que je t'aime tellement, je veux tellement pas que tu te fasses du mal. Je suis obligée de te donner le cadre pour que tu puisses comprendre en fait que par amour pour toi, et je sais que vos enfants, c'est vos tripes, donc du coup, par amour pour toi, je suis obligée de te donner ce cadre. Mais c'est ce qu'il a fait pour nous. Et même dans la sexualité, on peut avoir des surprises. Vraiment. Moi, cette histoire de compatibilité sexuelle, c'est un terme... Bon, j'aime pas trop, et pour en revenir à ce terme-là, moi je pense que tu l'as aussi dit, tu en as aussi parlé, effectivement, de cette notion, moi pour moi il y a beaucoup la notion d'apprentissage, parce que vraiment, il y a plusieurs notions pour moi, déjà ne te mets pas la pression, parce que quand tu es avec ton mari... justement, vous allez vous découvrir. Quand on dit compatibilité sexuelle, faut tester et tout, je trouve qu'il y a une trop grosse pression sur le rapport en lui-même qui, en vérité, c'est quelque chose de tellement beau, de tel, quand tu aimes la personne, il va y avoir une alchimie. Donc vous apprenez ensemble, et oui, au début, ça sera peut-être pas ouf, le premier rapport, mais au fur et à mesure, vous inquiétez pas, les barrières vont tomber. Hein. Vous inquiétez pas, donc pas de pression. Dans le cadre du mariage, c'est magnifique de vivre ça avec son partenaire de vie, tout simplement, de lui réserver ce petit truc. Et puis tout simplement, avec l'amour, ça ne vous inquiétez pas. Ça va pas, voilà, il n'y a pas question de performance, ne vous mettez pas la pression. Et au début, vous allez apprendre tous les deux. Je suis d'accord avec toi, mais comment déjà tu mesures une compatibilité, c'est-à-dire est-ce que tu es heureux, voilà. Des fois, tu peux avoir l'amour, ça ne suffit pas. Tu peux avoir aussi un manque
C'est pour ça que dans l'apprentissage, quand tu vois qu'il y a un blocage, quand tu peux avoir l'amour, avoir un mari qui t'aime et ça ne matche pas. Dans le sens où, soit la libido, elle est très basse, soit on est fatigué, il faut parler, on parle des vrais termes, hein, C'est donc vrai que. voilà. Ou soit il y a un problème, ou soit il n'y a plus d'attirance aussi. Ça D'où aussi. l'importance de discuter. D'où l'important de discuter et aussi d'avoir la source. Pourquoi je ne suis pas attirée? Moi, je parle de ça parce que je l'ai vécu. Je rejoins ce que tu as dit. Pas de pression, parce que vous allez mettre une pression. Ça aussi, ça Totalement. peut empêcher aussi le moment. C'est vrai? Pour apprendre, il faut un maître, il faut un sujet, il faut des élèves volontaires. On a déjà tout dans le cadre. Dieu est le maître. Le schéma, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mais vraiment, l'exemple. on est à l'école en Maître. fait. Un Un sujet à sujet étudier, élève, c'est le vous. sujet à étudier, c'est vos corps, c'est votre intimité, votre connexion. Les élèves volontaires qui ont le même objectif, pas de se montrer que je suis. Non, chérie, je t'aime et je te donne. Et quand tout le monde est dans l'aspect de donner, il n'y a aucune carence. Moi, je sais que c'est une question que je me suis posée, parce que dans mon entourage, on en parlait. Je pense que c'est Dieu ou je sais pas. J'ai une réponse très simple, c'est tu es une femme, c'est un homme. Arrête de te poser des questions, ça va fonctionner. Et ben Tu voilà. as tu as tu as Ah tout pour que oui, ça tout est clair. fonctionne. C'est tellement ça. Voilà, tu as tout pour que ça Oh, mais on se fonctionne. complique C'est tout, tellement on est vrai. simple. Alors que Ouais. c'est réponse simple, Voilà. basique. Alors qu'on se casse trop la tête. Exactement. C'est simple. Prenez la sexualité simplement. C'est tellement simple. En fait, tu te dis, mais pourquoi t'as pas pensé à ça avant? Oh, mais femme, ça a Oui. fonctionné. Mais oui. C'est trop logique. Ok, donc question prochaine. Oui. Est-ce que dans le mariage, les louanges corporelles, vous avez compris ce que on appelle louanges corporelles, c'est fait que pour enfanter? Audrey, j'allais te dire de commencer. Pour une fois, je vais pas parler, je laisse le dire. Alors, j'ai oublié ta question. C'est la question. Est-ce que c'est fait pour enfanter? Juste pour Ouais, est-ce que enfanter. c'est fait que pour Ouais. ça? Donc, c'est-à-dire que un couple qui ne peut pas avoir d'enfant n'est pas un couple. Du coup, Oui, parce qu'ils n'ont du tout ils ont pas de rapport. Du coup, le rapport n'est pas divin et Quel du coup, il n'y a pas. sujet. Mais c'est ridicule et insensé de penser ça. La sexualité aide, elle dépense de l'énergie. On a C'est des vrai. hormones positives, on a des hormones de bonheur qui émanent de cet acte-là. Elle me fâche un petit peu, cette Ah, phrase, parce que je vous ai dit, la question a ça passionné. crée des couples frustrés. Oui. Et c'est dans les églises, ce Oui, discours bien sûr, existe. c'est pour ça. Oui, C'est pire. effectivement, bah oui, je rejoins totalement que effectivement, la relation sexuelle n'est pas faite uniquement pour enfanter. Après, on a ce beau cadeau qui peut nous être offert. Oui, bien sûr. C'est un Oui, don de c'est Dieu, il ne faut sûr. pas l'oublier. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas, C'est malheureusement. ça. Et voilà. Mais n'oubliez pas aussi ce qu'on appelle relation sexuelle, relation intime, louange corporelle, tout ce que vous voulez. On dit aussi On se voit faire. pas bien. Vas-y, reviens. C'est bon. T'es à l'aise ou pas? Oui, très à l'aise. Oui, donc je disais ce qu'on appelle voilà, relation sexuelle, Louange, relation intime, revanche voilà. corporelle, comme nous Ça, dit c'est Audrey. le terme Ça, c'est donné le à terme Louange corporelle. marque déposée par Audrey. En tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo. Avant de la conclure, les filles, j'ai une petite mise en situation. Donc, vous imaginez Écoute. qu'il y a quelqu'un qui vous dit ça. Quel conseil que vous allez donner à la personne? Coucou, voilà, je suis chrétienne. Je suis en période de fréquentation avec un homme et bien évidemment, nous envisageons, Nous envisageons. merci, le mariage. Avant cette relation, malheureusement, j'ai eu des rapports avec d'autres hommes et parfois j'ai été impudique avec moi-même. Mon futur fiancé, lui, est vierge et désire une épouse vierge également. Ça ne fait que quelques mois qu'on se fréquente, mais je suis convaincue que c'est l'homme de ma vie. Comment lui dire mon passé, car j'en ai honte et j'ai peur que justement ce passé ramène de mauvaises choses dans mon futur foyer, si toutefois il accepte de continuer avec moi. J'ai peur que cette annonce brise notre relation. Je me suis repentie et ça fait un an que je ne suis plus retombée dans l'impudicité grâce à Dieu. Pouvez-vous me conseiller? Merci. Il y a tant de choses à dire. Hélo, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Ah ouais, Comme vas-y. tu veux, t'es sûre, vas-y. Ouais. Je pense qu'elle n'a pas encore fait la paix avec elle-même. Elle n'a pas encore, oui, elle s'est repentie, mais est-ce qu'elle croit vraiment que Dieu lui a pardonné? Parce que quand tu es en paix, tu sais que tu es une nouvelle créature.
cette peur d'abandon, cette peur du rejet, même si elle peut être tentée de s'incrustrer, ne prend pas autant de place. Comme moi, j'aurais dit, fais la paix avec toi, accepte le pardon de Dieu, accepte ton passé. Elle dit que ça fait un an qu'elle n'est plus dans cette impudicité-là. Ça. Donc, il est forcément important d'en parler à son fiancé. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une, bah, c'est, il faut une clarté, il y a une transparence à avoir avec la personne qu'on se marie, pour que dans les deux cas, si jamais lui se froisse et effectivement dit, ah bah non, effectivement, ton passé, enfin voilà, je ne peux pas me marier avec toi à cause de ce passé-là. Eh bien, que vous puissiez rompre les fiançailles. Il faut que vous puissiez vous dire que lorsque l'étape du mariage n'est pas franchie, c'est le moment, c'est l'occasion Totalement. pour vous parler de tout, pour vous dire, bah justement, ce qui peut chagriner, ce qui peut choquer, votre passé, c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire. Parce que dans le cadre du mariage, malheureusement, c'est trop tard. Et si vous en parlez une fois que vous êtes déjà marié, c'est là où ça peut amener des choses. Ah bah tu m'avais caché ci, tu m'avais caché ça, et là ça peut être des surprises et amener des conflits. Donc il est important de se libérer de cela, surtout que maintenant bah, elle ne le pratique pas, dire bah oui, certes j'ai été comme ça, mais c'est mon passé. Est-ce que tu m'acceptes comme ça ou non? Tout simplement, et ça sera en fonction de sa réponse, bah, elle aussi elle pourra rompre les fiançailles, et en fonction de lui, bah, voilà, voir s'ils veulent continuer ensemble ou non, jusqu'au mariage. Je suis d'accord. Et moi, j'avais parlé dans une ancienne vidéo. Les vrais ont peut-être déjà entendu cette réponse. Les vrais. Vous êtes vrais aussi, c'est que je vous dis la première fois. Mais les anciens Les plutôt, anciens, voilà. ouais. Moi, avec Francis, concrètement, quand on a su que il y avait l'attirance, en tout cas on s'aimait, moi, j'ai pas pris du temps à lui parler de ça. Je lui ai dit clairement, écoute, moi, je suis vierge, Oui. et mon idéal, pour moi, mon C'est idéal, un homme c'est un vierge. homme vierge. Et il m'a dit, bah écoute, moi je suis Bon. vierge, et mon idéal, C'est une c'est femme vierge. C'est vierge. une Non, femme déjà, vierge. c'est pas de là son monde. C'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même important de parler de tous les sujets, Totalement. relativement tôt. Il Pourquoi faut le attendre? faire. Au C'est moins, tu ça. te lances pas dans une relation où malheureusement, voilà, aujourd'hui, t'as beaucoup Bien de sûr. sentiments pour lui, pour toi, c'est Tout l'homme à de ta fait. vie, tu connais ce C'est que vrai. lui, il veut ou pas, et tu dis, mais mince, en fait, j'aurais peut-être dû se C'est dire vrai. avant de tomber amoureuse. Oui. Tu vois? Mais oui. Parce que Et tu comme. t'engages après dans les sentiments et. C'est ça, les sentiments s'engager, là, ça fait plus mal. Et comme C'est Audrey clair. dit, si il dit OK, bah, gloire à Dieu. S'il dit non, c'était pas Tant lui. pis. C'était pas C'était le pas bon. lui. Tant pis. C'est tout. Et c'est tellement important de se pardonner. Je veux pas que vous pensiez que je parle que de moi, c'est que je maîtrise que mon Non, t'as raison. expérience. Mais moi, j'ai attendu 5 mois pour dire à Ellie, Hello, Tu sais quoi? tu sais quoi? Je me suis pas préservée. Et j'ai attendu d'être en paix avec moi-même, justement. Et la phrase qu'il m'a dite me marquera. Et si j'ai une fille plus tard, c'est la phrase que je vais lui dire. Et bon, j'aurais pas aimé. Voilà, mais bon. Voilà. On s'est J'ai raconté compris. comment ton père était Oui, formidable. on s'est compris. Voilà. Voilà, on écoute la phrase Voilà maintenant. la phrase. Pour moi, tu es une rose blanche toute neuve. C'est ce qu'il m'a dit. Pour moi. Élie romantique, Non, mais pour moi, tu es Non, comme c'est une beau, c'est fleur. Tu es beau. comme une fleur, en fait, toute neuve. Une rose blanche toute faite. Pour moi, tu es vierge. C'est ce type de réponse que tu dois avoir. Si tu n'as pas ce C'est type de pas le bon, réponse, c'est pas c'est le que soit lui aussi, des fois c'est le bon et la panique aussi te fait Oui, répondre. bien, ça peut changer, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais Ça peut si, changer. par exemple, là où tu vas voir qu'il n'est pas le bon, c'est que s'il utilise ça pour te dire, ah, ouais, mais toi, t'as fauté. Hein, Ouais, pour donc, l'utiliser genre, contre moi, je suis toi. bien parce que je Oui, me suis c'est ça. préservée. S'il y a une Oui, supériorité, alors que plus Dieu, il dépasse Dieu, plus. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un indicateur que. Mais moi, cette phrase me marquera à totalement. vie. Rose, et c'est pour ça que j'ai un amour particulier pour les roses aujourd'hui, parce que pour moi, Ah, t'es c'est comme une trop fleur. T'es comme une mignon. fleur toute neuve et tu n'es pas effritée. Donc en fait, passons à autre chose. Maintenant que c'est Exact, fait, exact. par contre, on ne revient pas dessus, on y va. Ouais. En tout cas, bon, j'espère que ça va répondre à beaucoup de vos questions, Ouais. de vos interrogations. Et en barre de commentaires, vous Par contre, n'hésitez elle pas. a dit tout à l'heure, s'il vous plaît, likez, arrêtez de Oui, faire les. C'est ouais, toujours c'est juste en un pouce, message hein. privé. Non, Oui. le privé, c'est bien. Par contre, faut C'est bien, le privé. privé est bien. Pour en plus Ah, récolter des oui. témoignages, mais supporter la chaîne. Il y Oui. a rarement des chaînes aussi authentiques comme ça dans Oui.
la simplicité. Nous on voit le travail qu'elle fournit derrière. Likez, partagez, prenez le temps. Enlevez TikTok. Ça coûte rien, c'est gratuit. Venez sur la chaîne et soyez édifiés. Et là aussi, souvent sur la chaîne, écoutez les témoignages. Merci, moi j'arrive sur ça. Bisous. Bisous. Bye bye.